n'irai nulle part sans ça. Qu'est-ce que vous feriez sans moi pour vous sauver les miches? Et pourquoi as-tu besoin de Kratos, Altesse? Manifestement, tu as pu te défaire des malédictions d'Odin toute seule. Fimbulwetter avait affaibli les autres malédictions, et j'avais eu besoin d'aide pour les rompre. Celle-ci est puissante. Alors, tous ces efforts pour le tuer, c'était simplement un divin appel à l'aide? Je ne me rappelle pas t'avoir demandé de venir. Parce que tu l'as pas fait. Je comptais retrouver une vieille compagne de beuverie quand l'occasion de lever le coude se présenterait. Comme on va sûrement finir par se rendre au même endroit, autant vous filer un coup de main. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Eh ben, aux dernières nouvelles. Elle musardait avec le pencu qui te sert de frère. Frayeur n'a rien à voir avec ça. Ouais, c'est pas ce que me dit mon petit doigt, ni mes baloches. Je sens l'attraction du sort d'obédience. Sa source est un peu plus loin. Suivez-moi. C'est encore pire qu'un bourbier de Muspelheim ici. Et ça sent presque aussi bon. Ce doit être à cause de Fimbulwetter. Mais si cela aide ces deux-là à faire la paix... Ce n'est qu'une alliance temporaire, Mimir. Au-delà de ça, il faudrait se faire confiance. Oh, je t'en prie. Tu sais bien que Kratos n'est pas la cause de tes souffrances. Vous êtes tous deux autant responsables de ma souffrance que quiconque. Hé, hey, ça vous dit une devinette pour détendre l'atmosphère? Qu'est-ce qui coule à cause du froid? Facile, un nez. Il va falloir trouver mieux que ça. Attends de voir, malin. Bien, nous devons avancer. Pour ça, il va nous falloir plus de magie que ce qu'on a sur nous. Par ici. Oh non, ça ne va pas. Mon sort, je le sens qui m'échappe. Ah ben ça, c'est Fimbulwetter. Non, tu ne comprends pas, je vais disparaître du royaume. Que peut-on faire? Une chose que j'espérais éviter. Je n'ai plus vrai. Falky! Allons-y. Tu pouvais contourner le sort d'Odin depuis le début? Non, je l'ai découvert quand vous avez ouvert le passage entre les royaumes. Et ce n'est pas une solution, cette forme est extrêmement contraignante. Ah ben ça, c'est Fimble. Arrête. Bordel! Attention aux plantes. Elles sont très agressives avec cette humidité. Je reconnais ce marché. C'était un lieu de rencontre et d'échange pour les villageois. Comme on ne peut pas reconnaître. Yeah.
Dom, qu'est-ce que t'attends? Je suis juste ici. Ouh, ben ça, ça vous relance le palpitant. J'avais oublié à quel point j'aimais la castagne. T'es du genre à tout rafler, toi, hein? Oh! Qu'est-ce qu'on a là? Mon frère, crois-tu vraiment qu'elle nous laissera en paix si tu l'aides? Je l'ignore. J'ai choisi de l'aider. Pour le reste, nous verrons. Oui. Marché, hein? Dis donc, ils en ont laissé des bricoles. C'est dommage que ça prenne la poussière. C'est une façon de voir les choses. Où ont-ils bien tous pu passer? Ils ont dû se retirer, se cacher dans les bois, après avoir couvert leurs traces avec la magie. Impossible de savoir combien ils sont, ni comment les retrouver. Les As n'ont pas fait de la dentelle ici, hein? C'est grâce à notre cher Mimir. Déclarer la guerre aux Vannes n'a jamais été mon idée. Moi, je voulais négocier un mariage pour y mettre fin. Et quel succès ce fut! Bien évidemment, la paix a été tout aussi désastreuse que le mariage. A-t-il lancé une nouvelle invasion, juste après m'avoir exilé? Quel gâchis! Ça aurait été impeccable pour installer un atelier! Des nains à Vanaheim? Je serais curieuse de voir ça. Rappelle aussi le scandale que nous avait fait ton frère. Pourquoi faut-il que tu les voles sans cesse? Laisse mon frère là où il est. Est-ce que c'est bien compris? Oh, je comprends parfaitement. Plus nous avancerons, plus la flore sera hostile. J'espère que tu es prête. Écoute, les fratries foireuses, c'est mon rayon. Sindri et moi, on a été tellement longtemps sans se causer que c'était comme si j'avais plus de frères. Bon, c'était un peu de ma faute du fait que j'avais mis les bouts. Mais ça m'a pas empêché de rejeter la faute sur lui la plupart du temps. Ça me rappelle quelque chose. Et où veux-tu en venir? L'important, c'est qu'au bout du compte, c'était pas la fin du monde. On a fini par arrêter nos gamineries, et c'était comme s'il ne s'était jamais rien passé.
Il est tout de suite redevenu le boulet que j'avais toujours connu. C'est ça, la famille. Mais faut faire avec. Que ça vous plaise ou que ça vous rende marteau. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin d'entendre cela maintenant? Tout ce que je veux, c'est retrouver ma liberté. Et je ne compte pas me laisser distraire. Écoute, tout ce que je veux dire, c'est que si tu finissais par parler à ton frère, votre pire serait peut-être pas nécessairement votre dernière. Assez. Le jour où je me tiendrai à nouveau devant Frayeur, c'est que je marcherai et que je serai libre, c'est compris? Et pas tant que je serai coincée dans cet état ridicule. Tu tiens ta fierté, je comprends. J'espère que ça te passera plus rapidement qu'à moi. Très touchante, cette histoire. Ferme-la, jamais. Comment Odin s'y est-il pris pour les faire fuir? Quelles armes a-t-il demandé aux nains de lui forger? Quelle part de dégâts revient à Mjolnir? Un seul homme peut-il en faire autant? Tout dépend de l'arme et de l'homme. T'as trouvé quoi? Je suis sûr que ça brille. Secours-nous. Il regorgeait autrefois de bateaux en provenance de différents villages. Je ne l'avais jamais vu si vide. Qu'est-ce que c'est? Pas maintenant, mon frère, on a de la compagnie. Pour l'instant, tu ne peux rien en faire. Minute ! Si vous voulez pas vous retrouver les tripes à l'air.
C'est bon, vas-y. Le balèze. Mon peuple ne reçoit plus de visiteurs. Je l'ignore. Ce n'est plus mon peuple à présent. Ah, allez, on monte. Vous êtes bien content que Brock soit là pour veiller. Oh, oh. Merde! Hein? Nous devrions sans doute aller le chercher. Sois sur tes gardes. Tiens, tiens, qu'avons-nous là? Le vieux borgne envoie un autre dieu faire le sale boulot? Thor est occupé? Nous ne servons pas Odin. Non? C'est pas exactement l'endroit pour flâner. Je me trompe? Oh, franchement, garde tes menaces, mon frère. Oh, je connais cette voix. Tu sais, je te couperai bien la tête. Mais on dirait que j'arrive trop tard. Ah, tu es perspicace, mon frère. Non. Non, je suis pas ton frère. Tu as vendu ma sœur à ce... chien. Pour avoir la paix. Oh! Tu y crois? Où est-elle? Hmm? Et où se trouve ma sœur? Dans un donjon d'Asgard? Est-elle au moins en vie? Réponds-moi. Dans ce cas, le sang va couler. Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette chose à sa voix? C'est moi, Yngvi. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Écoute-moi. Ces hommes sont à mon service. Je suis là pour reprendre ce qu'on m'a enlevé. C'est trop tard. On ne peut défaire ce qui est fait. Je le peux. Crois-moi. Allez, laisse-les passer. Donc, vous servez ma sœur? Comme nous tous. Détache-le. Alors, c'est comme ça qu'on traite ses vieux copains, vieille carne. Oh, tais-toi, blabeur. Allez. Bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je crois que je vais rester tailler le bout de gras. Oh, ben voyons. Comme tu voudras. Mon frère, si tu veux bien, j'aimerais m'entretenir avec le seigneur Freyer. Cela me rappelle un vieux chant de Vanheim. Huh.
Désolé, étranger. On est parti du mauvais pied. On a surtout l'habitude de croiser des as par ici. Les visages amicaux se font rares. C'est bien un visage amical, hein? Son nom est Kratos, et non. Les as sont à Vanheim? Ils occupent le royaume depuis... trop longtemps. Quel est ton plan? J'y travaille toujours. Mon frère, je crois que je peux me rendre utile. Si mon avis est le bienvenu. Je t'écoute. Dis-moi. Ta mission sera nettement plus facile si je ne suis pas dans tes pattes. Reviens me chercher quand tu auras fini. Hé, Kratos. Si tu travailles pour ma sœur, prends garde à ne pas faire d'erreur. Pardon. Passons. Je crains que ce ne soit un peu trop tard. Très bien. Voyons ce que nous avons là. Parle-moi de ton armée. Je viens de la rencontrer. Quoi, vous cinq? Contre toute l'armée d'Oda? Six, en comptant le chien. Oh, misère. Sais-tu combien ils sont? Oh, tu sais, nombre, manœuvre, avant-poste. On est bien renseigné, mais... on manque un peu d'effectifs. Je vois. Eh bien, jetons un coup d'œil à cette carte. Un besoin spécial? Ça devrait garder ton corps en un seul morceau. Je suis bon ou pas? C'est très bien. Eh ben, quand tu veux. Dis-moi, Brock, tu comptes me présenter le bidon de lait qui te sert de garde du corps? Un peu que j'y compte! Lui, c'est... Maintenant qu'il n'y a plus personne pour nous distraire... J'ai des choses à te dire. Je t'écoute. Cette colère que tu ressens pour ton frère, je la connais bien. Tu as un frère? Son nom était Deimos. Quand nous étions enfants, il fut enlevé par deux dieux obnubilés par la prophétie. Les dieux de ma terre ne laissaient que peu de vie sauve. Et quand j'ai enfin appris qu'il avait survécu, il était trop tard pour me racheter. Sa haine s'était retournée contre moi. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. Penses-tu que ma colère soit injustifiée?
Tu as à peine entrevu Frayeur, et déjà tu prends sa défense. Je ne prends pas sa défense. Non. Tu ne fais que donner ton avis sur un sujet auquel tu ne connais rien. Un ancien. Je sais ce que tu es en train de faire. Tu joues sur ma corde sensible pour que je te laisse vivre. J'essaie simplement de t'aider. Nous ne devrions pas reproduire les erreurs du passé. Épargne-moi le récit de tes erreurs. J'ai assez à faire avec les miennes. Merci. Go!
Tout le monde a toujours un conseil à me donner, alors que personne ne connaît rien de moi. La plus grande perte de ma vie est due au fait que tu m'as sauvée, alors que je t'avais expressément demandé de ne pas le faire. C'était ma famille, mon problème. Baldur n'était certes pas parfait, mais il était à moi. Je sais. Tu sais. Crois-tu seulement avoir la moindre idée de ce que c'est que de perdre un enfant? Oui, je le sais. Tu en as eu un autre. Avant Atreus? Son nom était Calliope. Calliope? Que s'est-il passé? C'était il y a longtemps. Pardonne-moi. Je n'aurais pas dû demander. Neria. Ils occupent Vanheim. Nous devons atteindre cette tour de guet.
Il nous faudra traverser la vallée, par ici. Je connais l'histoire de ton fils. Je dois te raconter celle de ma fille. Au service d'un dieu cruel, j'ai détruit malgré moi un village. J'ignorais que mon épouse et ma fille s'y trouvaient avant que leur sang tache mes mains. J'ai juré de me venger. C'est... Je ne peux l'imaginer. J'ai fait payer leur mort 1000 fois, et j'ai réduit l'Olympe en cendres. Mais... la culpabilité demeure. Tu me tueras peut-être, Freya, mais ça ne t'apportera pas la paix. Ce n'est peut-être pas la paix qui m'intéresse. Toutes ces fois où je t'ai trouvé, pourquoi as-tu refusé de m'affronter? Ce combat n'aurait mené qu'à une défaite. Qu'entends-tu par là? Je ne te veux aucun mal, Freya. Tu nous as aidés. Tu as sauvé Atreus de la maladie. Je ne voulais ni être responsable de ta mort, ni me résigner à mourir. Je vois. Tu as entendu? Une Nokken! Si près du village! Son sang rend ses alliés invulnérables! Ils ne te laisseront pas passer tant que tu ne seras pas tous vaincus! Cache-cache dans les champs. Nous passions nos journées à voler du pain de miel dans la grandeur. Lors des récoltes, nous dansions et chantions jusqu'au petit jour. Tout était si simple. Pourquoi je reviens ici et me remémore tout ceci? La grande halle, elle est en ruine. Puisse Freya ne jamais trembler. Il manque l'autre moitié. Puisse-t-elle toujours nous protéger? C'est un vieux dicton. Je les entends à l'intérieur. Tiens-toi prêt à les éliminer. Yeah!
Comme si ce que Dain a fait n'était pas suffisant. Il a aussi détruit tous les souvenirs de mon foyer. Estime-toi heureuse d'avoir de bons souvenirs de ton foyer. À Sparte, on est enlevé à son foyer dès l'enfance et on reçoit l'agogée. On marche où l'on tombe. On se bat pour des restes où l'on meurt de faim. On est battu par ses aînés jusqu'à ne plus tenir debout. La nuit, on rentre seul en tentant d'échapper au loup. C'est ainsi que grandit un Spartiate. Ces plantes sont semblables aux poteaux d'infamie qui se trouvaient autrefois dans les contreforts de Midgard. Que reçoivent les Spartiates, ce n'est pas étonnant que tu sois devenu ce que tu es. Ton destin était scellé dès le départ. Le destin peut être changé. C'est ce que je pensais. Quand les normes m'ont annoncé le destin de Marcus, j'ai cru pouvoir le changer. Tu sais bien ce qu'il en a été. Les normes, les moires de ces terres. Exact. Tu défies la prophétie à tes risques et périls. Atreus partagerait ton point de vue sur la prophétie. Il se rue aveuglément vers un destin prédit par les géants. Il disparaît deux jours, cherchant à prouver qu'il est leur champion, censé se battre au Ragnarok. Comment ? Je connais toutes les prophéties du Ragnarok. Aucune ne mentionne un champion des géants. Groa l'avait caché. Grâce à ce champion, les royaumes échappent au Ragnarok. Seul Asgard tombe, et Odin avec lui. Donc tout ce temps... Malgré son obsession pour le Ragnarok, Odin en a manqué une pièce maîtresse. Oh. Bravo, Groa. Atreus ne sera pas un pion de la prophétie. Tu t'opposes encore au destin, alors même qu'il annonce la victoire? Je n'enverrai pas mon fils à la guerre. Ce n'est pas un Spartiate. Je ne veux pas que cela change. Tu me parles à moi de protéger ton fils. Mon drame ne t'a-t-il pas servi de leçon? Combattre le destin est une perte du temps précieux qu'on nous accorde auprès d'eux. Sans compter qu'à tout moment, l'on peut venir les couper. Oh!
Peux-tu lancer cette torche de l'autre côté pour brûler les ronces qui t'empêchent d'avancer? Ces îlots devraient te permettre d'avoir un meilleur angle pour la torche. Tu ne crois pas? Sers-toi de tes lames pour envoyer la torche. Traversons le pont maintenant. Après avoir tué autant de dieux, comment quelqu'un comme toi peut-il encore craindre la guerre de la sorte? J'ai vu trop de guerres pour en ignorer le prix. Et moi non. Après ce qu'il m'en a coûté d'en terminer une, regarde autour de toi, Kratos. C'est ce qui arrive lorsque personne ne s'oppose à un véritable fléau.
Très bien. Maintenant, reprenons notre mission. C'est l'un des capitaines d'Odin. Tiens-toi prêt. Anskotan Askalar. Vita Narok ne te rendra pas ce que tu as perdu. Me tuer non plus. Oh, j'en ai assez d'entendre tes sages platitudes. Veux-tu bien te taire et te contenter de tuer ? Ne m'ordonne plus de tuer. Quoi ? Je tue pour protéger mon fils, pour secourir mes amis, mais je refuse d'être un monstre. Plus jamais. Ce choix ne t'appartient pas. Pas avec la dette que tu as envers moi. Ce n'est pas une question de dette. Dans tous les cas, je t'aurais aidé. Alors, malgré tout ce qu'on m'a enlevé,
Je devrais simplement tout oublier. Freya. Assez. Allons-y. C'est juste derrière ces portes. Là. Je sens la source de la magie qui me retient à Midgard. Où sommes-nous? Chez moi. C'est ici que je suis née. Attends. Quelque chose ne va pas. Opinbera. Des racines de l'arbre monde, liées par des nœuds d'Odin. C'est donc comme ça qu'il a fait. Allez! Freya! Nidhogg! Non! Elle protège les racines d'Yggdrasil où qu'elle se trouve. Ce chien comptait là-dessus. Oh!
renforcer ses attaques. Brûle son point d'appui. Elle attaque par les brèches de royaume. À la fois. Oui, c'est la tombée. Ne reste pas planté là, bouge!
lancer un saut sur son ventre. Tu sais quoi faire. Ça va marcher. Elle va repartir. Nous l'en empêchons. Je dois briser son emprise. Et tu es un obstacle. Laisse ça. Est-ce terminé? C'est fini. C'est vraiment terminé. Et maintenant que tu as eu ce que tu voulais, j'imagine que le moment est venu de te pardonner ou de te tuer. T'es-tu décidé? Être honnête, les deux me paraissent impossibles. Il y a une part en moi qui demeure si furieuse. Elle ne me quittera jamais. Elle sera toujours furieuse. De payer de ta vie. Je le comprends. Écoute, tout ce qui s'est passé entre nous. Inutile de t'expliquer. Pas avec moi. Pas pour ça.
Je ne regrette pas de t'avoir sauvé, et ne regretterai jamais. Mais le choix de vivre ou de mourir aurait dû t'appartenir. Je n'aurais pas dû t'en déposséder. Maintenant, je suis à nouveau moi. Je crois qu'une visite à mon frère s'impose. Et ensuite ? Je l'ignore. Cela faisait longtemps que je n'avais plus eu le choix. Laisse-moi le temps de m'y habituer. On peut prendre ce chemin pour rentrer au camp. Je peux t'aider avec ces ronces. Plonge tes lames dans ces ronces luisantes et embrase-les. Ton frère semble enclin à ton retour. Oh, je suis sûre qu'il serait ravi que tout redevienne comme avant, pour me déléguer toutes les responsabilités du pouvoir. Salut Odin, de ma part. Tu sais exploiter ta colère. Eh bien, on apprend à se débrouiller avec ce qu'on a. Je ne tiens pas particulièrement à être en colère contre Freyr. C'est mon frère. La moitié de ma vie durant, il a été la personne la plus importante à mes yeux. Ce sont les mêmes plantes que nous avons vues tout à l'heure. Le gel devrait vite neutraliser leur poison. Voilà,
Le seau devrait maintenir le gel, même si tu reprends la hache. Beau travail. Attention, les feux follets. De puissantes manifestations de magie runique. Ils sont insensibles aux attaques physiques. Mes flèches peuvent perturber leur sort de protection. Sentirai-je à nouveau un jour chez moi, ici, après tout ce qui s'est passé. On n'a pas l'équipement pour ça. Sont à Vanaheim ? Nous avons appris que les géants les avaient sauvés d'Odin et amenés ici. Regarde. La lumière du soleil réveille les racines. Vois comme elles s'étendent pour accueillir le soleil. C'est beau, non ? On est loin du manteau blanc auquel j'ai dû m'habituer à Midgard. La migration vers l'Est, c'est exactement comme dans mon souvenir. Au moins, une partie du royaume échappe aux prédateurs et aux envahisseurs. Il reste une raison de se battre ici. Quelque chose à défendre, malgré tout le mal qui a été fait. C'est peut-être vrai pour Freyr aussi. Tu ne pourras pas les endommager sans détruire la mer. On dirait un grand bulbe. Tu ne peux pas la rater. Tout de suite, Harfi! Garde!
Il s'est passé tant de choses depuis que j'ai vu Freyer. Je ne sais même pas par quoi commencer. Que veux-tu de lui ? Des excuses, pour commencer. Je veux lui pardonner. J'aimerais croire qu'il a changé. Il est tout ce qu'il nous reste. T'es-tu jamais excusé auprès de Deimos ? Il est difficile de demander le pardon lorsqu'on s'en juge indigne. Comment pourrait-on traverser ? Les flèches sigillaires peuvent sûrement atteindre et enflammer les ronces de l'autre côté de la rivière. Le pardon est un outil puissant, même quand il n'est pas mérité. Faye, mon épouse, me l'a appris. Est-il quoi heureux d'avoir de bons souvenirs avec ton épouse ?
Tout ce que m'a appris mon ancienne moitié, c'est qu'il n'y a pas de limite aux abysses dans lesquels une âme puisse sombrer. Il m'a poussé à l'épouser pour sauver mon royaume, mais il l'a détruit tout de même. Il a dispersé mon peuple aux quatre vents. Peut-être est-il temps que quelqu'un s'oppose à lui. Peut-être est-il temps que la prophétie de Groa se réalise. Je n'encouragerai pas la guerre. La guerre est effroyable, Kratos. Mais certaines choses sont pires. Si Atreus se précipite vers le Ragnarok, tu ne pourras peut-être pas l'arrêter. Je le ferai. Et si tu échoues ? Je l'ai préparé à survivre sans moi, s'il le faut. Prends garde aux plantes. Elles m'apportent moi, mais pas les étrangers. Oui, je vois. On n'a pas l'équipement pour ça. Que feras-tu ensuite, si tu ne prépares pas la guerre ? Je ne sais pas, mais je ne laisserai pas Atreus courir de risques. Tu dois te décider rapidement, avant que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Prête ? Plus que jamais. Nath ? J'arrive pas à le croire. T'es de retour, enfin ! Oui. Fais-t'en ça. Tu vas reprendre le trône. On va tout rebâtir. Toi et moi face au monde, hein ? Comme au bon vieux temps. Je ne reste pas. Je comprends pas. Tu es ici. Ensemble, on peut reprendre ce qui nous appartient. J'ai seulement repris ce qui était à moi. J'ai encore beaucoup à faire. Tu as vu ce qui reste du royaume, non ? Comptons-nous aussi peu à tes yeux ? Tu doutes de ma loyauté ? Vanaheim m'a tourné le dos à moi. Oh, tu nourris encore cette vieille rancune. Il était de mon devoir de sauver autant de nos sujets que possible. Une responsabilité que tu n'as pas prise au sérieux, alors. Et à ce que je vois, cela n'a pas changé. Tu crois que tout cela m'amuse ? Nous avons tout perdu à cause de ce fou que tu appelais ton époux. La famille de cet homme m'a brûlé vif! Comment voulais-tu que je réagisse? Comme mon frère! Comme le garçon qui était là pour moi, quoi qu'il arrive! Et celui que j'ai toujours soutenu, même lorsque ses choix étaient égoïstes. J'espérais que tu viendrais me chercher. Que malgré la peine et la colère, tu ne m'aurais pas abandonné. J'avais le plus besoin de toi. Freya, je t'en prie, je... Je te croyais morte. J'ai dû vivre mille vies avec les paroles horribles que je t'ai laissées. Imagines-tu ce que c'est ? Que de savoir que ton égoïsme a nui à la personne que tu aimes le plus. T'abandonner ? Oh, Freya. Je t'ai pleuré. Tu m'as tellement manqué.
Mais non. Je ne me lierai pas à un autre royaume alors que je suis enfin libre. Je t'enverrai de l'aide. Et je reviendrai. C'est promis. Tu n'es plus chez toi depuis longtemps ici. Fais ce que tu dois faire. Allez, c'est bon, ça suffit. Vous n'avez rien de mieux à faire que de les regarder laver leur linge sale en famille. Venez, vous deux. Pas toi. J'ai deux, trois trucs à voir avec vous tous. Primo, tu récupères ta tête parlante. Deuxio, c'est de la magie sigillaire que je sens sur ton arc. C'est une idée que je vais te piquer. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de magie sonique? On fait un échange? Très bien. Et Tertio, si vous prévoyez pas de rester, je tiens à préciser que Sindri et moi, on se retrouve à tenir un refuge pour Dieu déchu. Quand vous aurez fini de vous geler les miches à Midgard, ramenez-vous avec Barbiche et venez dire bonjour à votre copain Tyr. C'est très aimable, Brock. J'y réfléchirai. Bon, allez, là-dessus, je vous retrouve à la maison. À moins que vous vouliez que je vous bricole un truc avant. Mon frère, veux-tu rencontrer nos nouveaux alliés ou pouvons-nous y aller? Excusez-moi, vous auriez le temps de venir en aide à une dame? Qu'est-ce que ce sera? Finalement qu'un mensonge. Le seigneur Fryer a recollé les morceaux de mon âme. Il m'a donné une cause en laquelle je pouvais croire. C'est tout, Fryer. Le seigneur des secondes chances. Il m'a sauvé. Il m'a donné une famille. Un but. Je mourrai pas. Toi, tu m'as toujours pas dit qui avait fait ces choses. Alors, tu as fait ton choix. Et je rembourse pas. Il était temps que je m'occupe.
On va voir ce qu'on peut faire. Et pour Dame Freya? Au moins, ça détournera l'attention de ta trogne. À vrai dire, ça te va plutôt bien. Maintenant, qu'on vienne pas me dire que je fais pas dans la dentelle. Nickel. Ça te donne un peu de panache. Qu'est-ce qu'il te faut? Maintenant, va pas te faire tuer, compris? Qu'y a-t-il? Ah, j'ai passé pas mal de temps à farfouiller dans le delta de la rive. J'ai filé. J'étais. T'es. Enfin. Qu'est-ce que c'est? Yes, je m'en sais. Quel est. Content. Et n'oublie pas de guetter les pièces de ma vieille armure. Je la ressaperai pour toi, gratuitement. Freya, es-tu prête? Je sais où nous pouvons trouver un point d'accès. Par ici. Dites, vous semblez bien vous entendre depuis la fin de votre mission. J'ose espérer que cette alliance est là pour durer, finalement. J'estime que nous avons un ennemi commun. Kratos, tu refuses peut-être d'accepter la fatalité du Ragnarok. Mais tu n'es pas assez naïf pour ignorer la menace d'Odin. Quoi qu'il arrive, notre meilleure chance de survivre est de nous allier. Tu es d'accord? Oui. Quant à l'offre de Brock, peux-tu concevoir de cohabiter avec un duo d'anciens ennemis? Tu ne seras plus tenté d'exercer ta vengeance? Pas contre toi. Aucun de vous deux. Je vous le promets.
Cette serrure n'est pas comme les autres. Si tu veux l'ouvrir, il faut enchanter ton burin. Bruna. Vas-y, grave la lettre. Suna. C'est une incantation. Suna. Les elfes du camp de Freyr ont mentionné une porte similaire à Alfheim, ainsi qu'un sanctuaire sacré des elfes blancs, au-delà des terres brûlées. Nous partons pour Alfheim. Eh bien, nous en déciderons au point d'accès. Ce bateau nous y emmènera si nous réussissons à éliminer ces ronces. Tu te rappelles quoi faire ?